Le piranha rouge, connu sous le nom scientifique de Pygocentrus natreuri, est une espèce de poisson d'eau douce originaire de l'Amérique du Sud. Voici une description du piranha rouge. Le piranha rouge est un poisson relativement petit mais robuste. Les adultes mesurent généralement entre 20 et 30 cm de long, bien que certains spécimens puissent atteindre une taille légèrement supérieure. Ils ont un corps trapu et comprimé latéralement avec des écailles épaisses. Leur coloration varie du gris argenté au rouge vif, d'où leur nom commun. Ils ont une mâchoire puissante avec des dents pointues et acérées. Comportement, le piranha rouge est réputé pour son comportement agressif et prédateur. Il est souvent considéré comme l'un des poissons les plus redoutables des eaux douces. Bien qu'il ait une réputation de prédateur féroce, il est important de noter que les piranhas rouges ne sont pas aussi dangereux pour l'homme que ne le suggèrent les mythes et les légendes. Ils préfèrent généralement se nourrir de poissons plus petits, de crustacés et de charognes. Habitat, les piranhas rouges se trouvent principalement dans les rivières et les lacs d'Amérique du Sud, notamment dans le bassin de l'Amazone et du Paraná. Ils préfèrent les eaux calmes et peu profondes, riches en végétation aquatique. Les piranhas rouges sont capables de s'adapter à différents habitats, allant des eaux claires des rivières aux eaux plus sombres et riches en matières organiques des marécages. Alimentation, les piranhas rouges sont des poissons carnivores. Leur régime alimentaire se compose principalement de poissons plus petits, de crustacés, d'insectes et de charognes. Leur mâchoire puissante et leurs dents tranchantes leur permettent de déchiqueter rapidement leur proie. Lorsqu'ils se nourrissent en groupe, ils peuvent rapidement dévorer de grandes quantités de nourriture. Reproduction. La reproduction des piranhas rouges se produit généralement pendant la saison des pluies. Les femelles pondent leurs œufs dans des zones d'eau peu profondes, souvent parmi la végétation aquatique. Les parents protègent activement les œufs et les alevins jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Adaptation physique. Les piranhas rouges possèdent certaines adaptations physiques qui les rendent bien adaptés à leur mode de vie prédateur. Leurs mâchoires sont puissantes, avec des dents acérées et triangulaires, conçues pour déchiqueter rapidement leur proie. Leur corps est également profilé, ce qui leur permet de nager rapidement et avec agilité dans l'eau. Comportement grégaire. Les piranhas rouges sont souvent associés à leur comportement grégaire, où ils se regroupent en grands bancs. Cette formation en bancs peut servir de mécanisme de défense contre les prédateurs plus gros, de dissuasion pour les congénères agressifs et de stratégie de chasse. Lorsqu'ils sont en groupe,
les piranhas rouges peuvent devenir plus audacieux et plus agressifs. Mythe et réalité, les piranhas rouges ont souvent été entourés d'une aura de dangerosité dans la culture populaire. Cependant, il est important de noter que les attaques de piranhas sur les humains sont extrêmement rares. Ils sont généralement timides et évitent les interactions avec les humains. Les attaques peuvent se produire dans des situations exceptionnelles, telles que la présence de blessures ou lorsque les piranhas sont stressés par des conditions environnementales défavorables. Élevage en captivité. Les piranhas rouges sont également populaires en tant que poissons d'aquarium dans le commerce des animaux de compagnie. Cependant, ils nécessitent des soins spécifiques en raison de leur taille potentielle, de leur comportement agressif et de leurs besoins nutritionnels particuliers. Il est important de se renseigner sur les exigences spécifiques avant d'envisager d'élever des piranhas rouges en captivité. Conservation, les piranhas rouges ne sont pas actuellement considérés comme une espèce en danger. Ils sont abondants dans leur habitat naturel. Cependant, la surpêche et la destruction de leur habitat peuvent représenter une menace pour certaines populations locales. En résumé, les piranhas rouges sont des poissons d'eau douce fascinants qui ont souvent été mal compris et stigmatisés. Leur comportement grégaire, leur régime alimentaire opportuniste et leurs adaptations physiques en font des prédateurs efficaces. Cependant, il est important de distinguer la réalité des mythes entourant ces animaux pour mieux les comprendre et les apprécier.